Salut les héros. Aujourd'hui, je voulais te partager un petit exercice que je fais, qui fait partie de mon rituel. Là, que je fais au moins minimum une fois par semaine et qui peut t'aider à te connecter à tes rêves et surtout à te recentrer si vraiment tu si, si tu si tu traverses des périodes difficiles, de flou et que tu te sens un peu vide, un peu à côté de la plaque, comme je dis, voilà, tu sais plus où t'en es, tu te sens perdu. Eh bien, pose-toi ces trois questions-là. Qui je suis? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans la vie? C'est vraiment les trois questions de base pour, comment dire, pour vivre ton aventure. Et donc voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me suis posé chaque question une par une, et que à chaque question, j'ai écrit, comment dire, tout ce qui me passait par la tête. Alors déjà la première question, qui je suis? Eh bien, j'ai tout de suite noté, voilà, que je suis un héros qui va inspirer les autres, ou autre chose, comme par exemple, je suis un héros libre, courageux, authentique et intègre, et plein de choses comme ça, quoi. En fait, au début, c'était difficile. Au début, c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser ces questions, de se poser ces questions-là. Donc, du coup, les réponses vont difficilement venir. Mais après, tu verras qu'une fois que tu as commencé, généralement après les réponses viennent après assez vite, une fois que tu es bien connecté. Voilà, tu peux mettre, voilà, moi ce que je fais aussi, c'est que je me mets une musique bien inspirante aussi pour vraiment me mettre bien dans une, pour vraiment me mettre en condition. Et tu verras qu'à terme, tu vas naturellement, comment dire, voir plus clair justement, ressentir cette confiance naturelle que tu as en toi. Donc c'est vraiment un exercice que j'adore faire, vraiment, qui est vraiment important. Donc voilà, pour résumer, pose-toi ces trois questions-là. Qui je suis, quelle est ma mission et qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Et liste pour chacun, voilà, tout ce que tu as en tête. Hein, voilà, si t'en arrives que 5-6, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est voilà, tu ne juges pas. Le principe, c'est vraiment de te mettre dans cette dynamique-là. Tu verras que plus tu te poseras ce type de questions, plus, voilà, tu vas habituer ton esprit à être focus justement voilà, ce qui est important pour toi. Voilà, j'espère que ça va t'aider dans ton aventure. Et moi, je te dis à la prochaine. Trouve-toi et en tes rêves. Bye bye.